Problème, solution. Ok, il y a un problème, c'est quoi la solution? Boum, engagement. On fait tout ce qui doit être fait pour y arriver. Fin, il n'y a pas de discussion. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. On est déterminés comme jamais ou pas? On est déterminés ou pas les gars? On lâche rien jusqu'à temps d'arriver au succès. Tu connais ou pas? Voilà, il y a eux, il y a nous. Les gars, ils posent une blague, on dit, il y a eux, il y a nous. Choisis ton camp, mon gars. C'est où tu es déter, on est déter ensemble et on va jusqu'au sommet ou tu restes sur le côté. Reste sur le côté, plains-toi. Oui, c'est la faute du gouvernement. Oui, c'est la faute du formateur. Oui, oui. Hein? Voilà, ici, ce genre de chill, l'idée de cette chaîne, t'as compris, c'est pour les gens qui ont des... Hein? On essaie de rester poli. Des fois, ma mère regarde des vidéos. Hein? Mais c'est pour les gens qui ont des grosses. Hein? Voilà, à un moment donné, des fois, mon frère aussi, regarde, il faut rester un minimum poli, tu vois. Donc, du coup, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Évry, hein, et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne, les gars. À un moment donné, il hein, n'y a rien de magique. Hein. Ils ont un fantasme. Oui, c'est pas le moment, c'est chaud et tout. Hey, si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut passer à l'action. Tu as ton description, tu as la formation influenceur 2.0, passe à l'action. T'as un investissement ridicule pour pouvoir créer ton business en ligne, te lancer, t'as plus d'excuses. Okay? Dès que tu rentres dans Influenceur 2.0, t'as tout. T'as tout pour pouvoir faire de l'argent. Okay? Donc passons directement au sujet de la vidéo. 5 règles indispensables pour pouvoir devenir riche naturellement. Oui monsieur, oui monsieur. Oui j'ai roulé le R, là. T'as vu j'ai roulé alors qu'il n'y a pas rien de redire, de rouler, mais je roule quand même. J'en entraîne parce que là je me suis lancé dans le comment ça s'appelle là, sous la langue latine espagnole là. Tu vois, il faut que j'apprenne l'espagnol là. Comme ça je connaîtrais anglais, espagnol. On est déterminé. Toi tu crois on est venu sur terre comme ça, on fait rien là. Non mon gars, on est venu pour tout éclater. Ok, je me suis même mis à la salsa. Hein? Si tu veux me voir faire des petits pas de salsa, mets-moi ça en commentaire et je ferai ça sur une vidéo, je te montrerai un petit peu. On est là, on regarde sur YouTube. Tac, on a regardé des petits pas. Donc bref, c'était pas le sujet de la vidéo d'ailleurs. Revenons à nos moutons. Donc voilà, tu connais, j'ai observé hein, tous les gens que j'ai interviewés, les livres que j'ai lus, tous les biographies que j'ai vues. Hein, il y a des règles qui reviennent indispensables. Ça, il faut étudier les gens qui réussissent. Les gens, ils demandent des conseils aux gens qui n'ont pas de résultats. Et en plus, ils sont convaincus par ces gens-là. Mais par contre, les gens qui sont sur Internet, ah ben non, c'est des voleurs. Bon, je te dis pas que tout le monde est gentil sur Internet, mais bon... De toute façon, un gars qui arnaque les gens... Il dure pas longtemps sur Internet. Hein. Tu vas voir, il apparaît et puis il disparaît. Hop. Tu peux pas être là sur le long terme si jamais tu carottes les gens. Première règle, c'est d'accepter de ne pas être aimé. Okay? Le problème, c'est qu'on veut aimer, on veut être aimé de tout le monde. Hein. Les gens qui me disent, ouais, on voit des messages en DM. Oui, est-ce que je peux me lancer sur YouTube mais sans montrer ma tête? Mais c'est quoi ton problème en fait? Donc là, je suis le malin, mais moi aussi au début, j'étais comme ça. Donc, au début, moi, je mettais même pas mon nom. Je mettais genre, je me rappelle pour le saxo, j'avais mis Jonathan le saxophoniste. Genre, je brouille les pistes, tu vois. Pour cette chaîne-là, j'avais mis Jonathan From Broke to Successful. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce qu'on a. On essaye d'esquiver, on veut pas qu'on les gens sachent que l'on fait pour pas qu'on se moque, etc. Le fond du problème de ça, c'est qu'on a peur de pas être aimé, c'est tout. C'est la vérité. Faut tout dire, Dis les termes, hein, c'est ça, on a peur de ne pas être aimé. Et la vérité, c'est que plus tu vas faire des grandes choses, hein, et je te le souhaite, hein, si tu regardes ma chaîne, c'est parce que tu as envie de faire des grandes choses, que ce soit déjà juste pour toi, te mettre à l'abri, parce qu'une fois que tu vas te mettre à l'abri, après tu vas vouloir mettre à l'abri ta mère, tes gens autour de toi, après tes amis, tes cousins, après la planète entière, si tu veux. Hein, ben, quand tu vas te développer, ne serait-ce avant de penser aux haters, des trucs comme ça, les gens autour de toi, déjà que tu connais, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Parce que ça va être... Les gens vont être jaloux, etc. Etc. Donc après, il faut avoir la capacité de Donald Trump. Oui, monsieur, on parle de Donald Trump ici. De Donald Trump, d'encaisser. Parce que tu pourras dire ce que tu veux. Le gars, c'est un bonhomme. Tu peux dire ce que tu veux. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Nanani, nanana, hein, il a foiré. Nanani, j'avoue, il a fait le fou. Le truc du Capitole, hein, même si je suis un bon consommateur du complot, le truc comme ça, bon là il a foiré. Hein, on peut dire oui, les médias essaient de nous manipuler. Donc bon, là il a comme un petit peu déconné. Mais bon, en tout cas c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que le gars il est détesté par la moitié de l'Amérique.
Il s'en prend tout le temps. Mais moi, je vois des trucs, mais il s'en prend tout le temps. Par des stars, par des trucs comme ça. C'est un truc de malade. Et le gars, il reste roi. Il n'a pas froid aux yeux. Il continue à faire ce qu'il a fait. Il n'en a rien à faire de ton avis. Il fait ce qu'il a à faire. Ok, donc, toi, c'est exactement comme ça. Et c'est là qu'on voit un leader. Hein. C'est pour ça qu'il a un following tellement puissant. Des gens où, comme il a dit, vas-y, on va au Capitole. Les gens, ils étaient prêts à aller avec des armes. Ils étaient prêts à partir en guerre civile pour le suivre. Et quand tu suis un gars, si jamais tu arrives à avoir un following comme ça, c'est parce que le gars, les gens, ils aiment les bonhommes. Ok? Et les bonhommes, ils n'ont rien à faire de savoir si jamais ils sont aimés ou si tu les aimes ou tu les aimes pas. C'est comme ça, il a dit, ce sera comme ça et c'est comme ça qu'on fera. Hein, une dose de testostérone. Et au passage, hein, tu inspires pas seulement que les gens à te suivre, les hommes, tu inspires aussi les femmes. Hein. Ça, c'est cadeau, ça. Hein, donc, sois un bonhomme, tu verras, la fille que depuis le temps, là, tu lui cours après, t'es capable, elle va revenir direct. Et pour être un bonhomme, il faut être puissant, les gars. Et pour être puissant, les gars, il faut être un businessman. Ah ouais, les gars, mais on va pas se cacher, il y a la puissance, il y a aussi l'argent. Il faut aussi avoir de l'argent, les gars. Hein. Hein, si tu peux pas mettre bien ta meuf, on fait comment? Voilà, donc t'as la formation offerte, hein, où je te montre exactement comment faire. Putain, mon gars, tu crois que je fais les vidéos, il faut bien que je fasse la promotion de ma formation offerte, quand même. Il faut la masterclass offerte. Donc, accepter de pouvoir se faire insulter comme Donald Trump, c'est là où on voit si t'es puissant ou pas, c'est là où on voit si t'es un bonhomme. C'est là qu'on voit la vérité. Deuxième règle que j'explique bien en détail, étape par étape, dans ma masterclass qui est offerte, c'est d'avoir l'attention. L'attention attire l'argent. Okay, l'attention attire l'argent. Je donne un petit extrait. À chaque fois, je donne le même exemple. Si Will Smith, aujourd'hui, il est sur YouTube, il s'est mis depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus maintenant, sur Instagram, c'est pas pour faire des photos. Et pourtant, il est au top. Il était à Hollywood. Le gars fait blockbuster sur blockbuster. Okay, et il cartonne tout. Et pourtant, il est venu sur YouTube. Pourquoi il est venu sur YouTube? Je te le donne dans le mille, Jardine. Jardine? Géraldine? Peut-être Géraldine. Je te donne dans le mille, Géraldine. Ouais, c'est mieux comme ça. Parce qu'il sait que l'attention attire l'argent, tout simplement. Et l'attention aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux. Avant, c'était à la télé, avant, c'était les journaux. C'est pour ça que les riches achetaient les journaux, c'est pour ça que les riches achetaient les chaînes de télé. Hein. Mais aujourd'hui, l'attention, elle est sur les réseaux sociaux. Et bonne nouvelle pour nous, les gars, qui venons du terre-terre, hein, qui venons de tout en bas, okay, qui n'avons pas de parents riches, eh ben, on a accès aujourd'hui à ce gros média. Et on peut aussi, nous, avoir l'attention des gens. Et donc, avoir l'argent. Hein, et je t'explique exactement comment faire dans la masterclass. Tu as juste à cliquer pour pouvoir y accéder. Donc, très important, deuxième règle de l'argent, indispensable à mettre en pratique. Si tu ne le fais pas, de toute façon, tu es cuit. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'avoir de produit en fait. Si tu as l'attention, tu fais de l'argent. Ok, je t'explique tout ça de façon dans la masterclass offerte. Troisième règle indispensable pour pouvoir devenir riche, c'est de passer à l'action massivement. C'est un classique, on l'entend tout le temps. Mais j'ai l'impression que les gens, ça rentre là, mais ça sort d'une autre, d'une autre oreille. Hein? Des fois, sur Instagram, on me dit, mais non, mais ça sert à rien que tu charbonnes autant. T'as pas l'air de comprendre. En fait, ça a toujours fonctionné. Cette stratégie a toujours fonctionné depuis la nuit des temps. Voilà, passer à l'action massivement. Je veux dire, si tu veux être un bon footballeur, tu veux savoir mettre des coups francs, ben, passage à l'action massive, c'est quoi? Ben, entraîne-toi à faire des coups francs pendant toute la journée. Fais ça pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois. Tu vas mettre tes coups francs, tu vas mettre tous tes coups francs. Tu vois, pareil pour la musique. Tu passes à l'action massivement, eh ben, tu seras meilleur que tout le monde et tu auras des gros résultats. Dans l'argent, c'est pareil. Si jamais tu passes à l'action massivement dans le business, hein, la réussite, et quel que soit le domaine, tu vois, ça fonctionne pour la musique et pour la santé. Même la santé, c'est pareil. Si tu manges, tu passes à l'action massivement, tu vas au sport tous les jours, tu manges correctement, ben, tu auras des résultats. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix en fait. Ben, le business, c'est pareil. Tu vois, parce que c'est de l'argent. Hein, et il y a tellement d'émotions autour de l'argent que les gens ils perdent toute rationalité. Ah ben non, c'est de l'argent, c'est pas possible. Oh, ils capent le truc de la santé. Ah oui, oui, ah oui, oui, ça a du sens. La musique, oh oui, ça a du sens. Ben logique, massive action, normal. Il parle même en anglais même. Mais par contre, quand on parle d'argent, non, arnaqueur. Bon, pas les gars. Pourquoi? Ok, donc si tu passes à l'action massivement, tu as les bonnes informations, tu passes à l'action massivement. T'es obligé de devenir bon dans ce que tu fais et t'es obligé, parce que tu vas faire beaucoup d'erreurs évidemment, et après t'es obligé de réussir. Parce que la réussite, c'est persévérance plus échec égale réussite. C'est juste que les gens, ils ont peur d'échouer et ils veulent pas persévérer parce qu'ils aiment pas échouer. On est comment? On est coincé les gars. Quatrième règle pour pouvoir devenir riche naturellement, c'est l'engagement. Okay, l'engagement, c'est pour ça que je dis à chaque fois, il y a eux, il y a nous, choisis ton camp. Si jamais tu choisis notre camp,
tu es dans le camp des personnes qui sont déter et qui ne vont rien lâcher. Ça veut dire que tu t'engages avec toi-même, que tu t'arrêteras jamais jusqu'à temps que tu y arrives. Jusqu'à temps qu'on y soit, on ne lâchera pas. Voilà ce que ça veut dire, les gens déterminés. C'est ça que ça veut dire, déterminé. On ne lâche rien. On fera tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Point final. Terminé. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de oui, c'est la faute des autres. Oui, c'est bien. On n'a pas le temps. On est déterminé. On fait ce qu'il y a à faire. On passe massivement à l'action. Problème, solution. Ok, il y a un problème. C'est quoi la solution? Boum, engagement. On fait tout ce qui doit être fait pour y arriver. Fin. Il n'y a pas de discussion. Il y a eux et à nous. Il faut choisir, juste choisir son camp. C'est tout. Cinquième règle pour pouvoir devenir riche naturellement, c'est la créativité. Plus tu seras créatif, plus du coup tu vas pouvoir attirer l'attention puisque tu vas être différent des autres. Mais t'inquiète pas, même si tu manques de créativité, l'engagement compense la créativité. L'action massive va pouvoir compenser le manque de créativité. Parce que de toute façon, tu vas tellement passer à l'action massivement que tu vas essayer différents trucs qu'à un moment donné, tu vas trouver le truc qui fonctionne. Tu vois. Mais de toute façon, la créativité, souvent, on en fait un gros truc. Moi, je donne un conseil. Par exemple, si jamais tu es en mode influenceur 2.0, juste sois toi. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu es toi, personne ne peut être meilleur que toi. Puisque, tu vois, personne ne peut être une meilleure version de toi-même. Ils peuvent être des pâles copies. Ils peuvent essayer d'imiter, mais ils ne seront jamais toi. Donc, c'est pour ça, sois juste toi. Ça, c'est juste la clé. N'aie pas honte de tes défauts, n'aie pas honte de qui tu es, de comment tu parles, de comment tu es, de comment tu t'habilles. Juste sois toi. Okay, et ça va résonner avec une certaine partie du marché. Et il y a d'autres personnes qui ne vont pas t'aimer et c'est OK. Hein, c'est le premier point. La première règle, on s'en fiche qu'il y ait des personnes qui t'aiment ou pas. Okay, y a des, moi, j'en ai rien à faire qu'il y a des gens qui m'aiment ou pas. Je dis ce que j'ai à dire, ça plaît ou ça plaît pas. Mais pour ceux que ça plaît, ils auront des résultats. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime parce que tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que pour toi, c'est connu. Voilà, tu connaissais déjà quoi en fait. Mais par contre, tu n'as pas de résultat dans ta vie. Donc c'est bien de connaître, mais si jamais tu ne mets pas en application, heureusement que je suis là pour te le rappeler. Donc les gars, vous avez tout en description. Tu es libre de pouvoir accéder à la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine et je te partage exactement toutes les stratégies pour pouvoir trouver une idée rentable. Comment générer du cash cette année, les gars. T'as tout. Je te donne tout de toute façon, en fait. Okay, et si jamais tu es déterminé, que tu n'as pas le temps, tu veux passer à l'action parce que là, tu te dis, OK, là, ça fait 20 vidéos que je regarde de lui. C'est bon, je veux me lancer. Eh bien, tu as la formation Influenceur 2.0. Tu as tout dedans. C'est un prix, c'est moins cher que ton pantalon. Pourquoi il y a des gens qui bégayent. J'ai fait une formation exprès. Enfin, j'ai mis cette offre-là exprès pour que les gens ne me sortent pas. Je n'ai pas l'argent pour investir en moi. Là, tu ne peux pas me sortir ça. OK, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien les gars et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.